Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo rapide sur l'ajustement de l'offre token dans la DeFi. Alors, c'est une vidéo qui fait suite à la vidéo plus complète que j'ai faite sur les tokens fongibles et les tokens non fongibles. Et donc ça, c'est de la suite immédiate de ma dernière vidéo. Alors, les smart contracts permettent d'ajuster l'offre des tokens fongibles. Ils peuvent les créer, c'est-à-dire les miner, ou les réduire. En cas de réduction, on utilise le terme burn, brûler en anglais. La réduction de l'offre, lorsqu'on burn des tokens, des tokens, on le retire de la circulation. Alors pour ça, on peut retirer un token fongible de deux façons. Soit on l'envoie manuellement vers une adresse Ethereum qui n'est pas connue, auquel cas il va se perdre. Ou alors on crée un smart contract qui ne peut pas dépenser les tokens. Ces deux approches rendent les tokens inutilisables. Alors, à contrario, lorsque vous voulez augmenter l'offre, c'est-à-dire lorsque vous voulez minter des tokens, on va utiliser le mining pour augmenter le nombre de tokens en circulation. À l'opposé du burning, il n'y a pas de moyen de créer manuellement des tokens. Le mécanisme de création de tokens est programmé dans le smart contract. La programmation de création de tokens dans le smart contract permet notamment de réduire la rareté du token pour faire baisser son prix ou alors récompenser le comportement utilisateur, par exemple.